Salut à tous, je suis Gilvé et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Civilization 6. Gathering Storm avec le petit coupé. Donc là, ce que je vais faire, je vais envoyer mon archer ici et on lui donne sa promotion. Arme incendiaire. Oh non, il va se faire attaquer par la ville. Bah, c'est pas plus mal. Donc toi, tu vas venir ici, toi, tu vas piller la ferme. Voilà, comme ça, tu régénères tes points de vie. Toi, tu vas rester ici. Toi, j'ai bien envie de te reculer parce que de toute façon, j'attaque pas, malheureusement. Toi qui es là, c'est 5 tours, hein. Donc ici, 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. 1 tour. Non, il faudrait qu'il franchisse le truc, ça marchera pas. Bah vas-y, passe par là. Alors ici, je peux piller les choses. Je peux avoir de la foi. Combien ça me coûterait? Ça me coûterait 240, ouais, laisse tomber. Donc en fait, piller avec assaut, j'aimerais tellement faire ça. Tu vas venir ici, tu vas prendre ta promotion commando et tu seras super utile. J'ai enlevé à gauche, donc je peux pas faire des toa très rapidement, mais je peux quand même les faire en 3 tours. C'est quoi ce. Mais c'est quoi cette dinguerie? C'est juste abusé. Toi tu vas venir ici, toi t'es censé piller la ferme. C'est que 50%, mais c'est toujours ça. Donc ici cette ville on va la capturer. Très bientôt. Ah dommage, je lui ai pas donné sa promotion. Bah vas-y, avance là. Ici on va faire un autre char lourd. En fait je vais faire le plus de char lourd possible. Alors ici t'as fini un lieu saint, tu vas me faire du coup l'hôtel. Ou alors on peut mettre un quartier, donc je peux pas mettre un autre quartier. Dès qu'on pourra mettre la marée là, enfin la place de théâtre, on mettra ça. Donc ici du coup j'ai deux unités. Toi tu vas venir dans la forêt. Toi tu vas me produire une autre unité du coup. Tu vas me produire un. Mais vraiment un toit serait super utile en fait dans cette ville. Une tour de siège, non, il n'y a pas besoin. On va faire un char lourd. Ok, deux tours pour le char lourd et il va me falloir deux tours pour finir le truc. Donc je pense au prochain tour, on va mettre. Non, je suis très très gourmand. Très très gourmand. Ok, on a les cases en plus, ça c'est génial. Allez, tu vas mettre ça en ligne. Ok. Ah mais je la travaille même pas. Donc là, tu vas prendre ça. Ok, sinon... 7 tours pour avoir un de population. 4 tours, allez. 4 tours pour finir l'hôtel, c'est quand même mieux. Donc ici, tu vas aller là. Toi, tu vas monter. On va reprendre ma religion ici. J'espère qu'il n'y a pas de croyants dans cette ville. Il y a un croyant du chiquitisme. Du chiquisme, ou je sais pas quoi. Alors toi, je pourrais mettre ici un truc au lieu d'avoir deux. Je vais juste avoir un de production, ce qui est pas mal. Alors ici, il y a des bateaux de pêche qui sont mis en ligne, sauf là. Ok. Du coup, cette case est évidemment fumée. Ok. Ah, c'est très bien du coup. Alors de toi qui est là, toi tu fais ça, toi tu restes en défensif. Il aurait mis son archer dans la ville, ça aurait été autre chose. Ok, donc là t'as pris une promotion, c'est génial. 16 pièces d'or, elle commence un peu à stresser, mais pas assez. C'est bien de prendre toutes les villes, enfin toutes les cases que tu peux. C'est un petit peu dommage, moi j'aurais mis la ville ici par contre. Ok, donc là, tu te fais attaquer, c'est très bien. Enfin, je me comprends. Ah oui, mais mon archer va mourir. Mon archer va mourir, ouais. Ok. À moins qu'on puisse empêcher ça. Non, ça marchera pas.
Ok, il pourra même pas emporter l'autre en fait. Bah, par exemple, toi, tu vas prendre super cher. Allez, vas-y. J'aurais dû prendre la promotion avant, mais c'est pas grave. Ouais. Donc lui, il a combien? Il a 31 sur 45, c'est pas assez. Non, mais de toute façon, j'avais perdu l'archer. Avec autant de piquets, c'était un petit peu mort. Ok, 3 tours. On va switcher, on va mettre donc du coup l'étrier. Mais vraiment, j'ai juste envie de pondre en fait énormément de chars lourds avec ce truc. Parce qu'avec ça, en fait, je bousille Didon et puis c'est fini quoi. La partie est gagnée. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire le Petra. Il y a une case de désert, il va falloir que je l'achète si je veux faire le Petra. Donc ici, on a l'habitation qu'il faut, on a juste pas. Ok, on a un truc, donc on va avoir de la nourriture, je vais faire le moulin. Allez. Donc ici, j'ai encore de charge. Ici, c'est 2 de production ou 1? C'est 1 de production, et ça vaut pas la peine. Bah, si je prends ça. Mais pour l'instant, ça vaut pas la peine, en fait, tout simplement. Tu vas retourner dans la ville et tu vas dormir. Ici, tu peux venir ici. Donc, toi, par exemple, tu peux venir. Tu peux venir là, juste pour le fun. Toi, tu viens ici. L'archer, il s'approche. On attaque. On attaque. Le Toa peut attaquer. Bah, le Toa va capturer la ville du coup. Ok, annexer la ville. Et si je la rase? 38 griefs, ok, bah je vais être obligé de l'annexer, hein, j'ai pas le choix. On va réparer le monument. Ok, la révolte. Regardons un peu les loyautés des villes canadiennes que j'ai capturées, ici par exemple. On est à plus 11, donc je peux retirer Victor. Voilà, ça n'a pas de souci. Écoute, toi tu peux venir ici. J'ai un bélier qui peut venir du coup là. Allez. Bah non mec, prends ta promotion. Clicker. Ici tu vas monter. Je vais l'upgrade pour avoir escarmouche. Ici. Ici, je peux mettre des choses en ligne. Le truc, c'est cette case. J'espère qu'elle appartient à la ville. Non, elle appartient pas à la ville. Pourquoi je peux pas lui donner cette case? Ah, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et si je veux acheter des cases, ça va me coûter 100 et puis 150 derrière, je sais pas. Ça va augmenter un petit peu en tout cas. Autant lui acheter cette case-là, du coup. Regardons combien coûtent les cases qui sont. Ouais, 155. Ouais. Bon, bah tu vas encore galérer en termes de nourriture. J'ai pourtant une charge que je pourrais utiliser. Je pourrais faire une carrière ici, par exemple. Allez, on va faire une carrière là. Ça donne un de production. On passe notre tour. Ok. Ouh, ça, c'est ce qu'on appelle une armée. Donc là. On va avoir le temple Mahabodhi. Je sais plus ce qu'il donne en passif. J'allais écrire passif. Mahabodhi. J'ai perdu une unité. Donc ça donne 4 de foi. Et tourisme plus 1000 pour les concerts de rock. N'oublions pas les unités. Deux fonds de partie. Ok, donc là par exemple mon toit est encerclé. Je peux venir ici, attaquer lui, les deux pourront m'attaquer, je mourrai, donc on va venir ici. Toi, tu vas prendre ta promotion. Commando. Donc pour éviter que mon unité soit encerclée, je vais envoyer lui ici. Du coup lui ici. Voilà, la ville est en siège. Si seulement tu avais une promotion ici. Donc toi tu vas venir là. Et on va commencer à attaquer la ville comme il faudrait.
Ce que j'aurais dû faire, c'est produire ici, mais j'ai complètement oublié. C'est produire un charlot. Bon, je peux l'acheter. Bah, vous savez quoi? Ouais, mais un chevalier c'est très puissant, mais mes taurens en fait sont aussi puissants que les chevaliers. C'est ça qui me. C'est à ça que j'aurais dû réfléchir en fait avant de monter mon armée de chevaliers. Donc du coup ici, j'ai perdu un d'habitation, punaise. C'est abusé. Ok, en un tour on va le récupérer, mais tu vas me faire un toit. Ok. Koumazi est super bien défendu, donc ça y a pas de souci. Toi. Bah, Lind, on pourrait la capturer, mais le mieux, c'est vraiment, vraiment de rester. On va venir ici et je vais la piller au prochain tour. Donc toi, tu vas rester là. On va attendre les upgrades en fait. On va utiliser Salve ici. Tu passes ton tour. Tu vas prendre ta promotion, Salve. Toi, tu viens ici. Toi, tu viens là. Ici on a fini donc un char lourd. Donc tu vas continuer les constructions donc la place de théâtre. 9 tours. On va finir ça en 10 et puis on passe à autre chose. Donc ici, ce toit, il se fait mais bombarder tout le temps. Même si je vais dans la forêt, je peux pas le sauver si jamais. Donc hop, tu vas passer ici et on va voir comment le jeu. Comment l'IA va réagir. Donc toi. On va répandre le gel véganisme. Le char lourd, tu vas venir ici. On va avoir étrier au prochain tour. Souci d'habitation, j'ai perdu un archer. Donc ici, il n'y a pas de souci. Petit à petit, les piquets arrivent. Mais on aura. Donc il faut pas que je gâche mon argent en fait en attendant. Et je devrais peut-être penser à mettre Liang dans les villes. Ok, donc par exemple, ce Toa n'a pas de promotion. Mathias, est-ce que tu es en guerre contre le Canadien? Peu d'inventions sont au. Il est plus en guerre contre le Canadien, alors qu'est-ce qu'il vient faire? Ok, il y a une inondation, c'est pas ma ville, donc je m'en fous. Regardons ici, il me faut absolument un temple avant que je puisse continuer à chercher d'autres trucs. Donc là, on a ce qu'il faut. Donc on va faire ça. Le contraire plutôt. On va faire ça. Ah mais punaise, mec, laisse-moi un petit peu respirer. Ok. On passe notre tour. Université de Sankore. Route commerciale des Otiviens. Octroie 1 de science, 1 d'or. Plus de science pour chaque route commerciale vers cette ville. Waouh. C'est pas mal. Allez, on va faire ça. J'ai même pas mis un campus, donc ça sert à rien de chercher, de commencer à chercher du truc quoi. Donc là par exemple, si je pige, je vais choper un peu d'argent. Ok, c'est pas mal. Donc tu vas passer ici. Ok, les défenses de ces villes augmentent. Donc toi tu vas venir ici, même si c'est une case qui est machin, c'est juste pour avancer mes unités. Par exemple toi tu vas venir là. Toi tu vas venir là. Ouais, les toits auraient été beaucoup plus efficaces, hein, parce qu'ils sont bizarres les toits. Attends. Ouais, on va attendre avant de promouvoir. Donc là, j'ai le véganisme. J'ai un temple, donc je peux acheter un missionnaire ici, donc y a pas de souci. Est-ce qu'on envoie une seconde ville hein? Un second colon. C'était 320, maintenant c'est 340. C'est juste abusé en fait. Ici tu passes ton tour. Attends, les chevaliers, j'ai pas besoin d'unités de je sais pas quoi. Donc normalement je pourrais les. Ok. Ah mais c'est très bien. Donc toi tu vas venir ici. Ça va être difficile de l'attaquer. Mais non mais même à travers la rivière, je peux lui faire super mal. C'est juste abusé. Donc toi par exemple. Ok, toi je t'éradique, on est d'accord. Ok, et toi? Oh punaise, victoire majeure.
Ok, lui aussi je l'éradique. Oh, il va pouvoir me finir ici. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Ok. Donc là, par exemple. Ah, vas-y, va là. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir ici. Ouais, bah on va attaquer avec lui. Toi, tu vas venir ici et tu vas attaquer. Tu vas enlever les derniers remparts qui manquent à la ville. Merci. Donc là, du coup, bah, tu peux rester. Ah, tu. Ah, punaise, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave, il a une promotion. Il prendra pas aussi cher. Donc toi, par exemple, tu peux revenir en arrière, il n'y a pas de souci. Ok. Libérer Antananarivo. Est-ce que mes unités. Oh, mes unités sont là. Mes unités approchent. Mes unités approchent. Elles ont avancé d'ailleurs d'un tour. Délicieux, délicieux. Dis donc, Aprimachu. Mais vous êtes servi. Mais elle fait n'importe quoi, cette petite. Où est Machu? Ah, il a pris une ville au machin? Ouais, bon, mec, je te laisse t'occuper de ça, d'accord? C'est moi qui ai initié le truc, il a voté pour ça, j'espère qu'il va pouvoir faire quelque chose. Il a quand même pas mal d'arbalétriers, mais il lui faut des unités au contact. Débrouille-toi, mec, c'est pas mon truc. Je lui prendrai des villes, ça va l'affaiblir. Oh, puis là, j'ai perdu mon. Ok, elle me propose 29 pièces d'or. Meuf, on est à un tour de l'éradication totale. Je vais avoir des lieux saints, ça c'est génial. Oh, je vais avoir le temple Ma. Bon, le temple Mahabodhi, c'est pour ça que j'allais l'avoir. J'ai perdu mon Toa, ça c'est normal. Ici, il a résisté. Les Toas sont mais des unités de Mais fou. quand on est Je vais mercenaire. cliquer dessus. Et je vais faire ça. Alors, unité de combat rapprochée. Puissance de combat moins 5 pour les unités ennemies. Mais t'es sérieux? En fait, ce sont les chars de l'Inde. Mais c'est pour ça, en fait, que je les poutre comme ça, comme pas possible. Ils ont des gros malus. D'accord. Donc, par exemple, ici, pour être safe, je vais venir ici. Toi. Bon, je t'ai utilisé pour attaquer, donc je vais venir ici. Tu vas te soigner. Toi, tu vas prendre une promotion. Tu vas prendre un cri de guerre, comme ça, tu vas faire mais encore plus mal. La ville n'est pas en siège, ça sert à rien de l'attaquer. Tu vas venir ici. Donc là, il me faut une unité de l'autre côté de l'eau, en fait. Si je veux absolument le truc. Mais on vient de débloquer des choses intéressantes. Donc chevalerie, on va virer chevalerie. On va virer. Ouh, j'allais virer. On va virer Lim, parce qu'on s'en moque. J'ai besoin de choses, j'ai besoin de choses concrètes. Donc là, je vais laisser le truc dans 5 tours, on devrait choper donc. C'est qui? C'est Elcide. Transforme les unités terrestres en régiments, ce qui est pas mal. Donc les unités terrestres du Moyen-Âge et de la Renaissance dans un royaume de cases. Ça c'est parfait. Les unités de la Rene. Attends, on va revoir. Les unités du Moyen-Âge, ok, ça va être les chevaliers. Donc là, on va venir sur l'archer qui est ici. Et surtout sur les doctrines. Chevalerie et Lim qui dégagent. Prétoire. Prétoire, c'est pas mal. Et je vais envoyer plutôt. Et je vais regarder. Je vais regarder plutôt. Parce que, en fait, je vais être dans un autre âge d'or. Je vais être dans un âge d'or. Si jamais je veux un âge d'or, en fait, je claque notre compétence spéciale et on est dans un âge d'or. J'ai encore du temps normalement. Oh zut. Oh non. Oh non, le jeu me fait pas ça. Je suis pas dans un âge d'or. Ok, donc je vais avoir un souci de loyauté. Mais j'avais pas vu. Ouais, j'avais pas fait gaffe, sinon j'aurais construit des choses intéressantes. Combien d'Eraskers ça va me donner? Ah zut, je peux pas l'utiliser. Je peux pas l'utiliser ici. Là, c'est pas grave, c'est pas grave. Nous sommes à 6 points, c'est un petit peu chaud d'avoir 6 points en un tour quand même. À moins que j'ai de la foi pour acheter des machins et de l'argent. Je reçois un émissaire si je l'utilise. J'ai pas 1800 pièces d'or, c'est dommage.
Je pourrais avoir deux Erascore si j'achète par exemple lui. Vu que j'aurais mis beaucoup d'argent, j'aurais des Erascore, mais ça m'en donne 3. Si j'arrivais à mettre mon truc en place, ça m'en ferait 6. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc toi, tu vas revenir sur notre territoire en fait. Le soin sera beaucoup plus mieux. Donc ici, on a ce qu'il faut. Et j'ai toujours pas mis. Voilà, je vais commencer à faire n'importe quoi. Tac tac. Je vais garder près de toi. Du coup, on va mettre armée de métier. Ok. Et on va mettre assaut. Je veux la carte assaut. Avec les chevaliers, avoir la carte assaut, mais c'est n'importe quoi. Donc ici. Toi, tu vas prendre une petite promotion. T'as combien? T'as deux charges, donc tu peux venir ici. Un tour. Oh, t'es sérieux? C'est une colline. Ah, je te aime beaucoup. Donc ici, on va choisir un dog. Tradition navale nous donnerait un émissaire. Un émissaire. Ben, on va voir si on peut détruire une unité avec un quatrième. Donc du coup, on va aller vers un autre dog. On va aller vers Kim, par exemple. Avoir deux marchés. Le grand phare me donnerait un point de mouvement. Le colosse, mais t'étais pas en train de construire le colosse? Le grand phare est ici. Là, il est en construction et j'avais vu quelqu'un d'autre construire quelque chose dans l'eau, mais je sais plus où. Mais je pourrais mettre de la production vers ces choses-là. Oh, le mausolée, j'aimerais tellement avoir le mausolée. Attends, regardons un peu. Le colosse. Je peux faire le colosse ici. Le colosse est bien plus intéressant, on est d'accord. Bah vas-y, on va tenter le colosse. Au prochain tour, au prochain changement de truc, on va mettre ce qu'il faut. Envoyer un émissaire, j'en ai 4. Ok, donc là, j'ai de la petite réduction, donc on va te monter de level. Oh non, on me dit pas que. Ici, j'étais en train de faire un escamoucheur. C'est pour ça que ça prenait autant de temps. C'est pas le toit. Oh là là, j'ai mis de la production dans le vent. Donc ici, on peut mettre une ville ici, une ville là. Mais une ville ici, un mec. Allez. Ça va être des bonnes villes, ça, y aura pas de soucis. Donc là, on va pouvoir upgrade. Mais non, mais le coût des chevaliers a augmenté, quoi. C'est pas possible. Et ça nécessite 10 de fer. Allez, qui est-ce qui a du fer à me vendre? J'en veux 10, ma petite coquine. J'en veux 10. Je te donne du. Non, elle a pas besoin de cheval. Ouais, non. Mais en fait, ça va devenir super chaud. Ça va devenir, mais très très chaud. Ouais, ça va devenir super chaud d'avoir. Donc là, je vais avoir 2 par tour. Donc dans 5 tours, je pourrai avoir un autre chevalier. Ok, on va upgrade celui qui a de l'XP. Aucun des 3 n'a de l'XP. Ok. Waouh. Ah, le jeu a changé. Et c'est très bien. D'accord, bah du coup, toi, je peux vous upgrade sans souci les arbalétriers. Ok, les arbalétriers, c'est free. Voilà, on a fonderie. Ok. Ben ça, c'est génial. Oh là là, moi qui voyais déjà mon armée fondre sur la petite ici. Allez, on y va. On y va petit à petit. Ok, y a pas d'unité. Ok. Donc là, on va essayer d'encercler la ville, évidemment. Encercler la ville du côté de la mer. Ok, donc ça c'est très bien. Il y a des unités dans l'eau, donc on va voir si ça va fonctionner pour le petit Erascore. Hop. Donc par exemple, vous, il faut juste que je vienne ici pour pouvoir. Ok, elle a des unités ici. Le gil véganisme. Ici, qu'est-ce qu'on a? 5 et 0.
T'as juste une charge, mon petit. Tu vas aller à Genève, mon petit. Tu vas aller à Genève. Ok. Donc, du coup, tu vas venir ici. Et en même temps, je vais prendre un missionnaire. Un tout petit missionnaire. Ça coûte un petit peu cher. Surtout que je pourrais acheter un autre colon et essayer de conquérir plus de terres. Mais là, je peux pas mettre quelqu'un, je crois. Non, je peux pas mettre de. Ici, je peux mettre une ville. En plein sur le riz. Je peux faire un port ici et le Holocé d'Halicarnasse là avec de la chance. Ouais. En termes de. Ouais. Non, il n'y a pas énormément de forêt. On peut choper cette forêt là. Si je me mets sur la forêt, c'est dommage. Allez. Regardons ce que nous réserve le jeu. Ok, punaise, mais toi, prennent super cher. Pourtant, c'est des pauvres guerriers. Ok, donc là, j'ai pris. Quelqu'un m'a attaqué, un arbalétrier m'a attaqué. Mon taux a résisté. On va switcher avec lui. Ok, ère de la Renaissance. Prendre un engagement. Le Canada, où est-ce qu'il est? Le Canada est dans un âge normal, donc on n'aura pas de soucis. Christina, je connais pas encore ton symbole. Elle est dans un âge d'or, donc on va avoir plus de mal à maintenir ces trucs. Erascor, pour chaque route finie, non? Exode des évangélistes. À chaque fois que je construis un nouveau cas. Non, on va prendre Exode des évangélistes. Non, on va prendre Exode des évangélistes. Je crois que c'est ce qui pourrait me donner le plus d'Erascor. Donc là, évidemment, gros souci de loyauté. Ne suis pas la religion que j'ai fondée. Ça va se régler très vite, ça. Allez, on commence à utiliser notre foi. Délicieux, délicieux. Donc il y a des remparts qui sont. Non, il n'y a pas de remparts en place. Donc, du coup, j'aimerais bien lui acheter ces cases-là. Parce que j'aimerais bien mettre. Un campus en plus 1. Ici, c'est un campus en plus 2. Donc, on va attendre d'avoir la ville à côté pour faire donc ça. Donc, du coup, tu vas faire un grenier parce que tu as un souci d'habitation de toute façon. Ok. Un upgrade, un upgrade. Toi tu vas venir ici, toi tu vas venir là. Ça c'est quoi ça? C'est la France, hein. Je peux pas l'accuser. Envoyer un émissaire, non. Ok. Toi, t'es bien, tu vas juste rester là. Donc là, on va voir si on peut détruire une unité avec un quadrième. Alors, Genève qui est ici pourra m'aider si jamais. Je suis à 3. Bah, ce qu'on va faire, on va prendre Genève du coup. Qu'est-ce qu'il faudrait? Recruter un amiral? Bah, je suis tout prêt à recruter un amiral. Je pourrais payer la thune, mais j'ai pas envie quoi. Donc on va donner un émissaire à Genève, comme ça. Ils viennent de mon côté. Ils vont m'aider un petit peu. Et malheureusement. C'est qui ici? C'est la France. Ah mais elle aussi, elle a participé à. Ok. Les gars, je vais pas vous décevoir pour ça, vu que c'est moi qui ai mis un petit peu tout le monde dans le caca. Allez. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est les bonus de contournement. Toi, t'as combien? T'as encore 3 charges, tu peux venir ici du coup. Ok.
Du coup, toi, tu vas venir ici. Le guerrier, normalement, devrait se faire poutrer. Normalement. Oh, mais punaise, quoi. Mais c'est quoi cette défense de fou pour le guerrier? Il est dans l'eau, en plus. Allez, vas-y. Vous allez attaquer, vous, parce que, de toute façon, vous n'êtes pas les meilleurs. Allez, on va attaquer avec lui. Tu vas attaquer. Toi, tu vas. Oh, punaise, mais vous êtes sérieux. Un pauvre guerrier dans le truc. Du coup, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir. Du coup, ici. Et tu vas essayer de répandre notre religion. Alors, ici, t'arrives. Au parfait moment. Qui est là, tu vas venir ici. Toi, tu vas rester là. Ah, j'ai envie de l'upgrade et de lui donner sa promotion. Chose qui vont pas se faire. Donc là, je peux pas faire quelque chose. Je vais devoir faire ça. Ici. Bon, je peux le finir lui. Et lui, je pourrais attaquer lui ou la ville. Qu'est-ce qu'on fait? J'espère qu'il va mourir. Ok, il est mort. Donc toi, t'es sur notre territoire. Par exemple, là, je pourrais avoir des arrescords et que je fais mon truc. Mais c'est que sur des collines. Ouais, apparemment, c'est que sur des collines. Le bélier, tu sers pas à grand-chose. Ok. Petit à petit, il y a des choses qui se font quand même. Donc ici, on fait enfin des toits. Il faut switcher. Deux marchés. Évidemment, je n'ai pas construit de marché. Et là, il n'a pas construit de marché non plus. Donc je vais pas avoir ces trucs-là. Je pourrais switch. Ok. Ok, l'escarmoucheur, là, il a pris cher. Toi aussi, t'as pris cher, mec. Ok, mon toit a tenu. Punaise, ils tiennent mais trop bien les toits. Ok, toi t'as pas de promotion. Tu vas switch avec lui. Et donc du coup toi tu vas prendre une promotion qui va être commando. Allez, vas-y. Il pourra pas attaquer l'autre. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons toi qui peux attaquer. Lui, toi qui peux finir lui, toi qui pourrais, bah, tu sais quoi, je vais devoir refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, j'espère qu'il va mourir. Voilà, du coup toi tu vas venir ici, du coup toi tu vas le finir. La ville n'est toujours pas en siège, toi tu vas venir ici, la ville est en siège, toi il faut que je t'upgrade et puis on les poutre petit à petit. Père de souveraineté de Genève, évidemment. Qu'est-ce qu'il a prise? Christine de Suède l'a prise. Vraiment? Tu veux jouer à ça, Christine? Ok, en plus ça me donne des Arascores. Donc faut pas trop chercher les gens. Donc ici, on va essayer de buter cette unité avec ce quadrième. Mais t'es sérieux? Ok, la quadrième qui est là, elle va devoir venir ici et prendre sa promotion qui est contre les unités navales. Ok, donc toi. Voilà. Toi, je vais l'utiliser juste pour voir si. Une bonne marine ne provoque pas la guerre. Au contraire, c'est la meilleure garantie de paix. Ok, ben ça c'est très bien. Proximité de port, je pourrais mettre le truc, ça nous donnerait un petit 10. Donc là, le Birem qui est là. Oh punaise, elle a des caravelles, la petite. Elle a des caravelles. Il y a une caravelle ici, ça craint. Ça craint. Donc là, on voit un émissaire, boum, on fait ça.
On va aller vers le haut, les gars. On va aller vers le haut. Parce que les... je pourrais rien faire contre l'air. Contre les caravelles. Ok, toi, tu peux prendre une promotion. Formation en triangle. Allez, on va prendre ça. Toi, t'es sur une ferme. Tu vas piller. Ça nous donne 100%. Ah là là, il me faut vraiment du fer. Il a que 2 unités de fer. 20 pièces d'or, ils sont raisonnables. Allez, tac tac tac, 29 pièces d'or. 50 pièces d'or. Punaise, quoi. Arrête de faire ta... arrête de faire ta diva, là. Non, elle cherche trop d'argent, elle. On va aller chez le... même s'il est en guerre, il a 13 unités. Il veut 11 pièces d'or. Ah, punaise. Ouais, mec, à un moment, il faut arrêter de déconner, quoi. Pour 7 pièces d'or. Il m'en faut 4, il m'en faut 4. Je peux te donner 100 pièces d'or, mec. 120. Vas-y, prends 120. Casse-toi. Et va crever. Donc ici, on va upgrade lui. Ça me fait gagner quand même quelques tours, donc c'est très très bien. Allez, tu vas rester ici. J'ai combien? J'ai 143 pièces d'or. Tu peux retourner dans la ville et te soigner si tu veux. Alors là, tu vas venir ici. Me dis pas qu'elle a défenseur de la foi. Dis-moi qu'elle a pas ça, parce que sinon... défenseur de la foi, échec et mat. Ok. Oui, non, je suis un petit peu silencieux là, parce que... non, c'est trop. C'est juste trop. C'est juste trop. Ok, Hong Kong qui voudrait une route. Route commerciale. Hong Kong, t'es juste à côté. Bah, je te... ok. Je suis son suzerain aussi. Ça, c'est très bien. Comme ça, on a un petit peu vu sur ce qu'il y a. Puis, Hong Kong, c'est les meilleurs sites pour faire un truc scientifique. Donc là, on approche petit à petit. On peut changer ça. Armée de métier, je vais devoir la garder mais super longtemps. Mais ce qu'on va peut-être faire, c'est dans combien de tours le truc? C'est dans 3 tours. Donc dans 3 tours, je n'aurai pas ça. Je n'aurai pas ça non plus. Dans 3 tours, on mettra l'autre carte en fait, qui nous permettra de d'augmenter les ressources qu'on gagne. Donc c'était une des nouvelles cartes. J'ai oublié son nom. Elle me propose 26 pièces d'or par tour. Elle me cède cette ville. J'aimerais bien qu'elle me donne la ville qui est juste au-dessus. Par exemple, Lun. Si tu me donnes Lun. Je te donne de la thune, par exemple. Des faveurs diplomatiques. Ok, j'ai perdu mon escarmouche. Escarmoucheur ou je sais pas quoi. Qu'avez-vous fait, oui bon Dieu, pour qu'il vous abandonne? Ok, donc mon Tao ici, il tient bien. Malgré les incessantes attaques. Donc toi... non,
tu vas rester ici, tu vas juste prendre ta promotion. Toi. Je peux piller la science. Non mais, je... Vas-y, tu vas venir ici. Tu vas rester en défensif. Toi, tu vas aller... Tu vas aller là. ...188 de fois, mais c'est fumé. Allez, on pointe ça. Tu vas avancer là. Toi, tu vas avancer ici. Tu vas attaquer... la ville. Puis il faut que je prenne la ville le plus tôt possible. Ok, donc ici, qu'est-ce que nous avons? Ok. Je pense que Pachacutil... Oh là là, punaise, la France a du mal à arriver. En fait, elle est elle aussi nulle. En termes de militaire. Donc ici, par exemple, si tu viens ici. Mais toi, je vais avoir besoin de te... Je veux que tu te casses, en fait. Je ne peux pas... Ok. Donc du coup tu vas venir... Tu peux pas venir ici. Ok. Tu vas attaquer la ville. Toi tu vas attaquer la ville aussi. Du coup toi tu vas venir ici. Ok, il peut pas. Ok, regardons le Birem. Qu'est-ce qu'il a? Renseignement, donc elle a une meilleure visibilité diplomatique que moi. Donc elle a un petit bonus. Bah vas-y, si j'attaque, non ça sert à rien d'attaquer avec lui, par exemple attaquer avec lui, oui, non, même pas. Ok, toi tu peux même pas te soigner, si tu viens ici tu peux pas te soigner. Toi tu peux rien faire, tac tac tac, à part attendre de mourir, donc tu vas venir ici. Le chevalier qui est là. Ok, non, lui ils vont s'occuper de lui. Toi tu vas venir... Ici. Oh non, j'aurais dû attaquer, j'aurais dû aller directement sur la ville. Échec. Et échec. Je sais pas ce que j'ai à dire, échec et mat là. 42 minutes, il va falloir un moment s'arrêter. Donc là, défenseur de la foi plus 5. Normalement c'est plus 10. Est-ce que ça a été vu à la baisse? Parce que c'est complètement fumé. Défenseur de la foi. Ouais, c'est plus 10. C'est plus, c'était plus 10 avant. Maintenant c'est juste plus 5. Mais ça fait quand même la différence. Et là, il l'a, parce que bon, je vais l'attaquer sur son territoire, donc les calculs sont très bien faits. Mais le truc, c'est que j'ai 3 archers, donc du coup, ça aide un peu. Ok, 7 tours, regardons un peu. Toi, t'es censé arriver, et du coup... Ok, il y a juste une personne, et t'as même pas réussi à convertir la seule personne qu'il y avait dans la ville. Il y en a qui se moquent de moi. Ok, donc on va quand même marcher vers cette ville. Et essayer de la capturer. Ok, je vais avoir mon toit ici. Toi tu vas venir ici du coup. Et on va pouvoir installer notre... notre truc. J'espère que ça me donnera un peu plus de pression quand même pour maintenir ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. On passe notre tour. J'ai 80 et j'ai perdu énormément d'argent, c'est chaud. Ouais, j'ai perdu pas mal d'argent. Ok, donc là il y a le Birem qui entre en action. Il y a juste le Birem qui entre en action. Donc là, elle va s'attaquer à Genève. Ok, j'ai perdu, j'ai enfin perdu un toit, quoi. Il a fallu le temps, mais... Donc toi, par exemple, tu peux venir ici, si tu viens sur la colline, je peux pas t'utiliser. Okay. Donc là, on va lui donner sa promotion.
un défensif plus un. Exerce une zone de pression. Ouais, non, mais je suis obligé de finir ici en fait. J'aimerais bien salve, mais je peux pas. Donc, exerce une zone de pression, c'est pas mal. Tu vas venir ici. Toi, tu vas venir du coup ici pour te soigner. Il manque que tu as une promotion. T'as pas de promotion, mais tu peux piller la foi, mais tu vas te soigner aussi. Et j'étais censé arrêter le tour. Ma place de théâtre qui attend depuis des années à être construite, surtout que ça va booster mes gains de foi et tout ça. Donc ici le Tao là il vient là. Ici on va faire ça. Mais c'est toujours le protestantisme, c'est pas possible, j'arrête pas de mettre du fil véganisme là. Ok, là c'est pas grave, on va y aller comme ça. Ok, un piqué qui nous prendra la tête. Toi tu vas venir ici. Toi tu vas venir avec lui. Toi tu peux pas aller là, donc tu passes ton tour. Le Tao peut pas. Où est le chevalier? Le chevalier est ici. J'ai combien de tours? J'ai 6 tours. Non, je préfère ne pas passer, sinon il va sortir son piqué. Ok. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Bon, je pourrais finir l'unité et la ville serait en siège. Oh là. Allez, viens ici, tu nous aideras peut-être. Donc là, toi, tu viens ici. Tu peux faire un... Tu peux générer autant... Oh, vas-y, prends-moi la thune, mec. Prends-moi la thune, qu'est-ce que t'as cru, là? Donc toi, tu vas venir ici, du coup, tu peux attaquer le Biren. Ok, et là, normalement, c'est pas la fin du Biren. Ok. Là, on attaque. Oh, il a mis l'archer dans la ville. Très très bien. Donc du coup, toi, tu vas juste venir là. Donc l'archer qui est là, on va lui demander de venir ici. On n'a que 4 tours, donc du coup, on va mettre ça. Hop. Donc ici, on va mettre notre énième ville. Ok, c'est du gypse qui est ici. D'accord. Au lieu... Alors, le lieu saint, ici en plus 1. Donc, si je mets lieu saint ici... Mais là, c'est une carrière ou une mine que je peux faire? Ça, ça la booste un peu. On va mettre une place de théâtre. On va mettre la place de théâtre ici. Et on va faire un grenier. Hop. Boum. Libraire, saisie de terrain, évêque, pression religieuse de cette ville vers les autres, 100% plus forte. Je devrais peut-être mettre l'évêque ici en fait. Je devrais peut-être faire ça. J'ai combien de charges? Ouais. Je vais le nommer. Ou alors je le mets dans ma capitale. Ça aiderait la conversion des villes en tout cas. Allez, on va voir ça pour le prochain épisode, donc je vous dis merci d'avoir regardé, et à bientôt sur Memoriam. Allez, salut!